If you are in the joy, Jesus, scream joy. Yes, Amen. Amen. Alors, nous allons passer à un moment d'exhortation. So we're going to move to a moment of exhortation. Alléluia. Hallelujah. Nous allons inviter ici. We're going to invite up here. La servante de Dieu. The servant of God. Minister. Minister. Octavia. Octavia. Kofi. Kofi. Alléluia. That you will be glorified, afin que tu sois glorifié, and that your people will be edified, et que ton peuple soit édifié, in Jesus' name, au nom de Jésus, amen. Amen. The theme is build, arise and build. Le thème c'est levons-nous et bâtissons. And I'm using the scripture. Et je vais utiliser l'écriture. Nehemiah, de the second Nehemiah. Chapter 18. Le chapitre 2, verset 18. And I just want to share a little bit before we get to paraphrasing. Et je voudrais juste faire un petit partage. So the king saw Nehemiah was saddened, and he asked Nehemiah, did he have a request? Donc le roi a vu que Nehemiah était triste, et il a demandé à Néhémie s'il avait une requête. Nehemiah prayed to God first. Et Néhémie a d'abord prié à Dieu. And then he went back to the king et and let him know that he wanted to request to leave. Il est retourné vers le roi et il a demandé un départ. So that he can go back to his father's country and restore the land. Il voudrait partir, retourner dans son pays. Pour rebâtir the house la terre of God, la maison de the land of his father, la terre de son père. Nehemiah didn't tell the people that he was with what it is that God had gave him to do in his heart. Nehemiah n'avait pas dit à ceux qui étaient avec lui ce que Dieu avait mis dans son cœur. Sometimes, when God gives us an assignment to Dieu, build, quand Dieu nous donne une tâche, we can't allow those who are traveling with us to know what God told us to do. Nous ne pouvons pas permettre à ceux qui voyagent avec nous de savoir ce que Dieu nous demande. Nehemiah identified what the problem was, and he told the people, we need to restore the kingdom of God. Nehemie a identifié le problème et il a dit au peuple, nous devons restaurer le royaume de Dieu. Sometimes I wonder why we are in a place where restoration needs to happen, but we don't see that we need to restore. Quelquefois, je me demande pourquoi nous sommes dans un endroit où la restauration doit prendre place. Cependant, nous ne réalisons pas cela. So I thank God for the Nehemiahs, because if Nehemiah didn't go back to the land of Judah and let the people know that restoration needed to take place in the land. Donc je remercie les Néhémie parce que Néhémie est retourné sur la terre de Juda avant d'informer les autres de ce qu'il devait faire. God's kingdom would never been rebuilt. S'il ne l'avait pas fait ainsi, le royaume de Dieu n'aurait pas été rebâti. So thank God for the Nehemiahs who are in our life, who come to encourage us, donc, who Dieu come to build us up, who come to let us know that it's time to restore and to build. Ils viennent pour nous restaurer et pour nous faire savoir que le temps est arrivé de rebâtir et de restaurer. Great, God's grace, mercy, strength, and protection. La grâce de Dieu, sa miséricorde et sa protection sont avec nous. Nehemiah 2:18 says, and I told them the hand of God which was good on me, also the king's words spoken to me, and they said, let us arise and build. Dans Nehemiah 2:18, voici ce qu'il dit. Il dit, quand je leur ai dit que la main de Dieu était sur moi et que c'était une bonne chose, Quand c'est le temps dans ta vie, tu sais que c'est le moment de faire quelque chose, c'est le moment de bâtir, tu sais que Dieu t'a donné une faveur.
And maybe you didn't realize that God's hand was on you. Et peut-être que tu n'as pas réalisé que la main de Dieu était sur toi. To strengthen you. Pour te fortifier. To do what He has placed in you to do. Pour faire ce qu'il a placé en toi afin que tu le fasses. So today I say, arise. Donc aujourd'hui je dis, levons-nous et bâtissons. God's hand is upon you. La main de Dieu est sur toi. He has strengthened you to do His will. Il t'a fortifié pour faire sa volonté. He has strengthened you to do the assignment. Il t'a fortifié pour accomplir ta mission. He has strengthened you to move forward. Il t'a fortifié pour avancer. The word of God says, let your hands be strengthened. La parole de Dieu dit que vos mains soient fortifiées. Be strong in the Lord. Soyez fort dans le Seigneur. And in power of His might. Et dans la puissance de Dieu. Nehemiah had permission to go forth and to restore and to build. Nehemiah avait la permission d'aller et de bâtir. Have permission from God. Beaucoup parmi nous ont aussi la permission de Dieu. To build. Pour bâtir. So why aren't we building? Alors pourquoi ne bâtissons-nous pas? Some of us are too tired to build. Certains parmi nous sont trop fatigués pour construire. Some of us need peace. D'autres ont besoin de paix. We are so overwhelmed, we can't build. Nous sommes tellement dépassés que nous ne pouvons pas bâtir. Some of us need our faith to be boosted. Certains parmi nous ont besoin que notre foi soit fortifiée. And some of us don't believe that we can do it. Et d'autres ne croient pas que nous pouvons le faire. We don't believe that God is able to strengthen us to do what He has placed in our hands. Nous croyons pas que Dieu nous a fortifié pour faire ce qu'il a mis en nous pour l'accomplir. We need God's hand upon us so that we can do the will and good purpose. Nous avons besoin de la main de Dieu sur notre vie afin d'accomplir sa volonté dans la bonne direction. And so assignment that God has given all of us who know that He is the Lord. Donc le devoir que le Seigneur nous a donné à nous tous, c'est de savoir qu'il est le Seigneur. He has given us an assignment to be disciples. Il nous a donné le devoir d'être disciples. He has given us an assignment to uplift people. Il nous a donné ce devoir-là d'élever les gens. He has given us an assignment to encourage one another. Le devoir d'encourager les uns les autres. For whatever it is that God has placed in your hands, afin que quel que soit ce que Dieu a placé dans votre main, He has strengthened you to do it. Il vous a donné la force de le faire. So not in just word, not in just our actions. It's some things that we do that's in action, but it's some things that God wants us to do in our heart. Donc ce n'est pas seulement dans nos actions. C'est vrai que nous le faisons et que nos actions en parlent, mais c'est quelque chose que Dieu a placé dans notre cœur. When He told the people what needed to be done, they said, "Let's build." Quand il a dit aux gens ce qui devait être fait, ils ont dit, "Bâtissons." They were excited about the word. Ils étaient contents par Their la parole. Heart was right. Leur cœur était à la bonne place. God wants us to be cheerful givers. Dieu veut que nous soyons des gens qui donnent avec joie. So let's make sure that when we are building, donc assurons-nous que lorsque nous bâtissons, that we're doing it with the right heart. Que nous le faisons avec le cœur. We're doing coeur. It with the heart of Christ. Que nous le faisons avec le cœur de Christ. Imagine how that land would have been if they would have built grudgingly. Imaginez comment la terre aurait été s'ils avaient bâti avec des rancunes. Do you notice the difference when somebody cook or serve you a plate and they do it cheerfully? Vous savez la différence quand quelqu'un vous sert un plat à manger? It tastes avec better. Joie, ça a plus de goût. So when we're doing something, we're doing it to glorify God. Donc quand nous faisons quelque chose, nous le faisons pour glorifier Dieu. It's a sweet fragrance unto Him. C'est un parfum doux pour lui. We're not doing it for man, but we're doing it for God. Nous ne le faisons pas pour les hommes, mais nous le faisons pour Dieu. So when we're building, we want to make sure that God is pleased with what it is that we have offered unto Him. Donc quand nous bâtissons, nous devons nous assurer que Dieu est content de ce que nous lui offrons. So it's time for us to rise up. Donc il est temps pour nous de nous lever. God's hand is on us. La main de Dieu est sur nous. God's word is in us. La parole de Dieu est en nous. Greater is He that is in us
celui qui est en that nous is in this world. Est plus grand que celui qui est dans ce monde. When God sent his son to die for us, quand Dieu a envoyé son fils mourir pour nous, he sent power. Il a envoyé la puissance in his name en son nom for us to use to build the kingdom of afin God. Que nous l'utilisons pour bâtir le royaume de Dieu. Jesus' blood is the power for us. Le sang de Jésus est la puissance pour nous. To heal the sick. Pour guérir les malades. And raise the dead. Et ressusciter les morts. There are dead people who are walking among us. Il y a des gens morts parmi nous mais qui marchent. They're not alive because they don't know the good news. Ils ne sont pas vivants parce qu'ils ne connaissent pas la bonne nouvelle. They don't know Jesus is Lord. Ils ne connaissent pas Jésus en tant que Seigneur. They don't know Jesus will strengthen their hands. Ils ne savent pas que Jésus peut fortifier leurs mains. Some know, but they haven't committed to the ways of God. Quelques savent, mais leurs mains ont été We are attachés. Conquerors. Nous sommes des conquérants. Jesus has strengthened our hands to build. Jésus nous a donné la force de construire. So women, let us rise up and build each other up. Les femmes, levons-nous et encourageons chacune d'entre nous. Build up our men and children. Construisons nos hommes et nos enfants. Build up our communities. Nous devons faire grandir nos communautés. Build up God's kingdom. Nous devons faire grandir le royaume des cieux. The word says, seek first the kingdom of God and all things will be added to you. La Bible nous dit que cherche premièrement le royaume des cieux et tout sera sera donné par-dessus tout. We use time to build our finances. On prend le temps de conduire nos finances. Then seeking direction from God to build our children. Nous devons chercher la voie de Dieu pour faire grandir nos enfants. And then some of them end up being in the enemy's territory. Et beaucoup de nos enfants se retrouvent dans la main du diable. But if we seek God first in his kingdom, mais si nous cherchons d'abord Dieu et son royaume, he will add all things to us. Il va nous donner tout. We are building our careers. On construit notre avenir. And God is saying, build my kingdom. Et Dieu nous dit, construis mon royaume. God wants us to build his kingdom. Jésus veut qu'on construise son royaume. God wants us to help the unsaved. Il veut qu'on nous aidons les démunis. Nehemiah left his job. Jérémie a quitté son travail. I'm not saying leave your job. Je ne dis pas de quitter ton travail. We have to have balance in both. Tu dois balancer entre les deux. So, Nehemiah, he prayed. Jérémie a prié. He gave him, and God gave him direction. Et Dieu lui a donné la direction. So when we pray for direction, quand tu pries pour la direction, he will help us build our business. Il va t'aider à construire tes affaires. He will help us build our life. Ta vie. He will help us build our family. Il va t'aider à construire ta famille. So we can't allow the lack of faith to keep us from building. Nous ne pouvons pas laisser le manque de foi nous diriger. That's what Sarah did. C'est ce que Sarah a fait. And she added trouble to her life. Et elle a ajouté des problèmes à sa vie. Ruth was the servant following instructions. Ruth était la servante de Dieu. Elle a suivi les instructions du Seigneur. And she received blessings. Et elle a reçu la bénédiction. So today I say, women, arise. Aujourd'hui je te dis, femme, lève-toi. And build. Et construis. We are important in the Nous house of God. Nous sommes importants dans la maison du Seigneur. Amen. Amen.